Salut à tous, bienvenue sur ce gameplay d'Apex Legends. Alors, pour vous expliquer le but de cette vidéo. Alors en fait, je voulais faire une vidéo d'Apex, donc c'est prévu que je fasse plein de vidéos d'Apex sur ma chaîne. Mais le problème, c'est que quand je tourne une vidéo, en fait, je fais vraiment des games nuls à chier. Mais vraiment nuls. C'est 1, 2, et surtout 0 kill, top 15, enfin bref, c'est vraiment des games toutes nazes. Et quand je tourne pas et que je joue normalement, je fais des games à 4, 5, 3 kills. Bon, vous dites c'est pas beaucoup, mais pour moi en vrai c'est beaucoup. Et je fais des top 1, top 2, top 5. Enfin, vraiment, je fais des bonnes games. Et en même temps, je voulais faire une vidéo de présentation pour voilà, pour expliquer un peu comment est née cette chaîne, ce que je lui réserve à l'avenir, etc. Alors je me suis dit pourquoi pas réunir les deux. Et donc j'ai fait une vidéo sans filmer, sans tourner, sans parler, sans rien. Mais je peux pas juste la publier comme ça, quoi. C'est nul, ça. Je faisais ça il y a un an quand j'ai créé ma chaîne. Maintenant, je peux pas juste faire une vidéo sans parler et vous proposer ça. J'essaye d'innover, de créer un peu des nouvelles choses, même si c'est pas nouveau sur YouTube, mais sur ma chaîne en tout cas ça l'est. Enfin bref, du coup voilà, j'enregistre ma voix en gros sur un gameplay d'Apex Legends, un gameplay qui était pas mal hein, pour moi. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer tout d'abord comment j'ai créé cette chaîne, pourquoi surtout je l'ai créé. En fait, à la base, c'est parti d'un délire avec un ami. Voilà, il m'a proposé de regarder, on peut voir dans les propositions quand on est en partie, pour que je regarde son gameplay. En gros, il m'a invité et moi, en l'ayant invité à son tour pour regarder mon gameplay, j'ai vu qu'on pouvait faire des lives. Donc j'ai commencé par faire des lives, je me suis dit pourquoi pas essayer. Franchement, ça va être, on va pouvoir se marrer, voilà, faire des vidéos. Donc ça a commencé sur Fortnite, j'ai fait des lives. Et en fouillant un peu plus sur les possibilités de la PS4, j'ai vu qu'on pouvait enregistrer ces vidéos et après les enregistrer et après les mettre sur YouTube. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous verrez mes deux premières vidéos, il y a quasi pas de montage, j'ai cuté le début, la fin. Et après, à partir de ma troisième vidéo, c'est là que j'ai découvert un site de montage sur PS4 gratuit qui s'appelle Share Factory. Donc grâce à ça, j'ai pu voilà, j'ai pu faire des montages. Share Factory, c'est pas un site de ouf, mais ça fait le taf. Voilà, ça dépanne, ça fait des petites vidéos sympas en attendant. Donc voilà, ensuite, ce que je réserve à l'avenir, bah pour l'instant rien de spécial. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça au début. Rien de spécial, je fais des vidéos, je me fais kiffer, ça m'amuse pour l'instant. Si demain ça m'amuse plus, bah j'arrêterai. Mais pour l'instant, franchement, ça m'amuse. J'ai fait une petite pause d'ailleurs, vous verrez dans les vidéos, il y a une vidéo qui date d'il y a un an, et l'autre qui date d'il y a 2 mois, et l'autre qui date d'il y a 2 semaines, par exemple. Je faisais donc... voilà, j'étais tout seul, j'avoue, à un moment ça m'a plus amusé. Puis au final, on m'a un peu motivé à reprendre les vidéos, donc je me suis dit j'ai repris. Et moi, j'ai motivé d'autres personnes à créer leur chaîne. Donc vous pouvez les voir, d'ailleurs on fait souvent des vidéos ensemble. Donc il y a Poulet Colombo, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Lobby. Il y a Fever, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle TV El Grande. Et il y a des Senpai qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne de Senpai. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. On fait souvent des vidéos ensemble. On est comme, on va dire, un groupe de 4. Donc on fait souvent des vidéos ensemble. Et j'avoue, en fait, à plusieurs, c'est plus marrant. Ça me donne plus envie de faire des vidéos. On peut comparer nos vidéos, nos styles de montage, nos trucs et tout. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, ça m'amuse plus, en fait. Au début, j'étais tout seul, du coup, j'avoue, des fois, ça m'amusait moins, et maintenant, ça m'amuse plus. Donc tant mieux, donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, je fais cette vidéo en mode total impro, hein. J'ai rien préparé avant. J'aurais peut-être dû. Enfin, bref, bah là, comme ça, je vois plus grand-chose à dire. À part que, voilà, je vais sortir prochainement des vidéos. J'essaye de... Pour l'instant, je fais... Voilà, pour l'instant, je fais que des vidéos gaming parce que c'est le seul truc que je peux faire pour l'instant. J'ai ni caméra, ni PC, ni rien, ni micro, pardon. J'ai rien. Donc, j'ai uniquement une PS4, une télé et un site de montage sur PS4. C'est tout. Donc, c'est le seul truc que je peux faire. Et après, franchement, l'avenir va nous le dire. Je peux pas dire je vais faire telle et telle chose à l'avenir parce que j'en sais rien du tout. Mais voilà, on verra à l'avenir. Désolé si je bégaye, si je cherche mes mots, comme je vous ai dit, j'ai
pas préparé grand chose en avance. Là, c'est total impro. Et voilà, c'est au naturel. Franchement, c'est la chaîne, elle est cool. C'est pareil pour Fever et le lobby, surtout. Surtout le lobby. Voilà, il se prend pas la tête. C'est des vidéos, voilà, pures. Franchement, il se prend pas la tête. Au début, il faisait pas de montage. Maintenant, il en fait un peu. Ça évolue. Franchement, c'est fait plaisir de voir qu'en fait, nous quatre, on évolue au fur et à mesure. On fait pour moi, hein, personnellement, je trouve, on fait des vidéos de meilleure qualité au fur et à mesure. Donc voilà, on n'est pas des pro-gamers. Hein, on est largement loin d'être pro-gamers. Donc franchement, la plupart du temps, 90% du temps, on fait des games nuls. Donc voilà, et voilà. Le Fever et le lobby, c'est surtout pour l'instant, ils se font délirer et tout. Moi et la chaîne de Senpai, c'est pareil. Mais on verra à l'avenir. Voilà, bah, je pense que voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. La vidéo, elle arrive bientôt à son terme. Donc voilà, je vous invite à aller voir leur chaîne. Je les mets en description. Je sais pas si je vais réussir à faire ça. Mais je vais essayer, je vais les mettre en description. Voilà, j'ai fini de raconter ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je teste un peu ce concept. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ah oui, et désolé pour le vol de kill à ceux qui ont joué avec moi, j'avoue. Bon, au moins on a fait top 1. Bon, allez, ciao.